Ah voilà. Là c'est passé rouge. Donc bonjour les amis, c'est Marcellis. On se retrouve sur Scania Truck Driving en compagnie de Didi. Donc j'ai décidé de vous faire ce jeu en conduite dangereuse. Donc je vois même pas les FPS les amis. C'est un truc de ouf. J'ai repris frappe ça, tout simplement. Donc, parce que j'ai remarqué que avec Bandicam j'avais des coups de lag. Donc là j'ai repris frappe. Donc on se fait la route de la mort, les amis, vous allez voir, c'est assez mortel. Et apparemment ça a pas l'air de bugger, donc Bandicam c'est bien de la merde. Donc j'ai resté sur frappe ça maintenant, les amis, je vous le dis. Donc oui, c'est la route de la mort. Alors regardez, on se croirait dans... Comment elle s'appelle l'émission là? Les routiers de l'extrême, voilà. On se croirait dans ça à peu près, hein, mais à part qu'il n'y a pas de route de glace là. Bah quoique, il y a quand même de la route inondée. Hein. J'ai déjà fait le jeu avant. Voilà, là mon Peterbit il break bien, il n'y a pas de souci pour tourner. Donc ça venait de Bandicam à mon avis, je ne sais pas. Donc oui, j'ai décidé, je veux dire, de vous faire une petite série de pénalités pour collision. Merde, j'ai pas fait gaffe. J'ai décidé de vous faire une série dessus, tout simplement parce que c'est un jeu que j'apprécie. Hein, faut dire qu'il est sorti avant le gros truc, mais bon, je l'apprécie quand même. Disons qu'il doit être sorti 2012, 2013, je sais plus trop les amis. Mais franchement, il est pas mal. Je le conseillerais d'ailleurs même. Pour ceux qui veulent patienter comme moi de la sortie d'American Truck et qu'on a marre de gros trucs, eh ben, prenez-le, vous allez voir, vous n'allez pas être déçu. On peut tout faire sur ce jeu. Permis, la conduite dangereuse comme je suis en train de faire là. On peut tout faire. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Hein, mais... Oui, plutôt pas mal. Regardez, par exemple, là, je vais me casser la gueule. Et ça c'était sûr. Échec du défi, remorque perdue. Parce qu'en fait j'ai pris le Peterbit, mais presque pas les amis, je vous jure. Donc on va retourner là. C'était la conduite dangereuse, hein, histoire de vous montrer un petit coup. On a vraiment tout, regardez, conduite libre, les tests de temps de réaction. Compétition de chauffeur, le permis. Alors les compétitions de chauffeur, ils sont pas plutôt pas mal. Regardez, je vais vous montrer vite fait d'ailleurs. Je m'en fous de pas voir les FPS, je sais que ça filme. Bon, ça me fait un peu chier de pas les voir. Mais... On appuie sur échappe. Donc là, je suis emmerdé ou quoi? Ah oui, effectivement, oui. D'avoir mis le mode, bah, un peu dans le merde. Bon, c'est pas grave. Donc là je suis avec le Scania. Le Scania qui déchire tout. Personnellement, je me demande même si je vais pouvoir tirer le Peterbit. Parce que franchement, c'est un jeu de Scania normalement même. Donc là le but tout simplement est de pas faire comme moi, hein, de pas shooter les plots. Oui, parce qu'ils nous font faire un petit demi-tour dans les plots, c'est un peu la merde. J'ai jamais compris ce qu'il fallait faire. Je sais qu'il faut pas les shooter, les plots, tout simplement. C'est la compétition de chauffeur. Donc voilà, on fait comme ça. Sans shooter les plots, parce que là, j'en ai shooté. J'en ai shooté. Ancien meilleur résultat, nouveau record personnel. J'avais fait mieux le dernier coup quand même. On fait des fissures. Ouais, je me demande si je vais pas le virer quand même le Peterbit. Oui, donc là tout simplement il faut s'approcher du point rouge. Je vais le virer le Peterbit tout de suite. Il n'y a pas un chiffre. Voilà. Tout simplement, c'était tout bête. Donc voilà, ici, c'est stopper le camion et la remorque.
pour que l'avant du tracteur termine aussi près que possible du milieu de la barre. Donc en fait, tout simplement, ce qui est ok, c'est carrément ça. C'est un truc de malade. Faut avancer comme un ouf. Et avec frappe, je ne bug pas, c'est nickel. Et là, on claque ça. Échec du défi pour terminer le défi. Ah, voilà. J'ai pas été assez près. On commence, c'est pas grave. On va y aller plus près, tu vois. C'est vrai que Scania, il pourra être mieux, je trouve. Là, là, tu vas pas me dire que je suis pas prêt, là. Voilà. On fait le défi suivant. Bon, je vais pas faire des longs épisodes hein, là-dessus, les amis, c'est juste histoire de passer le temps. Parce qu'après, je vous fais le routier Marsilis numéro 18. Je peux pas tout faire. Oui, parce que les Sims hein, sont actuellement, pour l'instant, arrêtés à cause du téléchargement qui est toujours pas fini. Donc, voilà. Parce qu'il y a des soirs où ça va télécharger, il y a des soirs où ça bug comme un mort. Ouais, je touche les plots, je le sais, les amis, mais c'est normal. Parce que le rond-point n'est pas en... Puis alors, avec la vue du bordel, c'est même pas la peine. Donc là, j'ai même pas lu. Je crois qu'il faut shooter ça. Ouais, c'était ça. Allez. On va refaire la liste des défis. Vous voyez, j'ai fait 4 trucs. Ah, pour l'instant, je suis classé avec 320 points. C'est un peu juste. On va se faire... C'est un petit permis. Hop, il doit. On se voit ça plus tard les amis. Je pense que je vais m'arrêter là vite fait sur ce jeu. Parce que le temps que je vous tourne encore au truc et tout, ça va être le bordel. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter un petit peu le jeu vite fait bien fait. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres épisodes dessus. Moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.